YouTube, j'espère que tu vas bien. Stop, je t'agresse, je te moleste, je te prends par le callback comme ça là. Écoute-moi bien, viens sur Twitch. Notre projet, c'est que cette année, pète tout sur Twitch. Et je ne comprends pas comment tu fais pour venir me follow et ne pas venir sur les lives. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu ça? Ça me fait du mal, sache-le. Je ne sais pas si tu veux vraiment me faire du mal, parce que si tu veux me faire du mal, sache que t'es pas une personne bien et que tout se sait un jour. Et tu vas le regretter. Du lundi au samedi, de 18h à 20h30 sur Twitch, je suis là. N'hésite pas à venir, twitch.tv/minostreaming, le lien est dans la description. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons regarder une vidéo où enfin, vous allez pouvoir comprendre, apprendre et retenir quel animé il ne faut pas regarder. Pour la simple et bonne raison qu'on regarde les animés qui ont le plus de filler. On sait que Naruto va être dedans, on le sait. Mais on va voir les autres qu'il y a dedans, et surtout au moins vous serez prévenus si vous comptez les commencer. C'est parti! Jojo Bizarre Aventure, zéro filler. Ça, c'est un bon point. Alors, je suis pas fan de Jojo, mais ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que là, actuellement, elle est sortie quand la vidéo? Le 7 mars 2022. Donc ça veut dire que je sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, mais en tout cas, il y a 164 épisodes de Jojo et zéro filler. Ça fait plaisir. GTO, il y a 8 fillers? Ah ouais? J'avais même pas qu'il y avait des fillers dans GTO. 43 épisodes, 19% de fillers. Ah, ça, c'est cool qu'il ait mis le pourcentage. Parce que du coup, tu te rends compte combien il y a de fillers, quoi. Blue Exorcist. 10 fillers, 37 épisodes. Ah ouais, 27% de fillers. Mais je m'en suis même pas rendu compte de Blue Exorcist. Ah oui, effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est que les fillers? Sont tout simplement des épisodes de remplissage. Ça veut dire que, en gros, c'est des épisodes qui ne racontent pas l'histoire principale. Ils sont là uniquement donner ce que les fans veulent, c'est-à-dire voir leur personnage préféré dans leur univers préféré, mais sans forcément raconter la suite des aventures de nos héros. Donc voilà ce que c'est les fillers, quoi. OAV, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec des OAV. Dragon Ball! C'est super! Dragon Ball S, c'est super, ouais, on est d'accord. 131 épisodes. 11% de fillers. Ça va, 14 fillers, ça va. Pour 130 épisodes, ça va. Après, il y a une proportionnalité, franchement, ça va. Le certain Magical Index. Qui va regarder ça? Black Clover, 17 fillers. Oh non, c'est faux. Quoique, en vrai, 17, c'est tout? Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup plus de fillers que ça. Il y a plus de fillers que ça, Black Asta dans Black Clover. Que 17? Ça me semble peu, hein, pour le nombre de fillers que j'avais vu. Belzebub, 17. Ok. Trigun, 17 aussi. Ah ouais, oh là là, Trigun. 26 épisodes, 17 fillers. T'as plus de la moitié des épisodes, c'est pas l'histoire. Donc t'es là, tu regardes, bon. T'es là, t'es un peu fatigué, quoi. Toriko, ça va. 147 épisodes, 20 fillers, 14%. Franchement, c'est classico. Dragon Ball aussi, c'est classico. L'anime est plié en 9 épisodes, oui. Et que 26 épisodes, Trigun. Bah, d'après ce qu'on voit, ouais. Il y a que 26 épisodes. Après, est-ce que vraiment les sources sont vérifiées? Je ne sais pas. Ce sera à vous de nous le dire dans les commentaires, YouTube. N'hésitez pas. Là, Dragon Ball, 153 épisodes, 21 fillers, ça va. Hein. Surtout que les fillers, généralement, tu les passes, quoi. Enfin, il y a très peu de gens qui regardent les fillers. Hein. À part les weebs qui vont te dire, tu sais quand est-ce que Kakashi s'est décroté le nez? Non, bah voilà. Parce que tu regardes pas les fillers. C'était dans filler numéro 7 à exactement 12 minutes 3. Et il s'est décroté le nez, on a pu voir du coup à sa bouche et son visage. Gintama, ça c'est trop bien. Qu'il y ait 369 épisodes. Bon, déjà je suis fatigué, qui va regarder 369 épisodes maintenant, mais vas-y, pourquoi pas. Et que 22 fillers, c'est-à-dire 6% de fillers, hein. C'est rien du tout, 6%. 22 épisodes sur 369, que dalle. Hein. Digreyman, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer Digreyman? Je sais que j'avais commencé à regarder à un moment donné, mais c'était il y a longtemps, hein, avec Allen, mais de fuck. Mais je sais pas si ça mérite. Le chat, peut-être, ça mérite d'aller plus loin ou pas. Mais 25 fillers, ouais, ça va. C'est extrêmement bien, surtout en ce moment, son arc. Il a toujours dit le manga, ça se voit que non. Non mais en vrai, de vrai, ce que j'avais regardé au début, c'était lourd. Faut pas cracher sur Digreyman. Les premiers épisodes que j'ai vus, c'était lourd. Mais c'était il y a longtemps, donc je m'en rappelle très peu. Et surtout, bah, j'ai pas fini, quoi. Kateyoshi Temen, Reborn, j'en ai déjà parlé, mais je sais pas pourquoi j'ai arrêté Reborn. J'ai regardé tous les épisodes, j'étais addict. Et du coup, ça m'étonnerait pas que j'ai arrêté à des fillers. Parce que les fillers, j'ai vraiment trop du mal. Et il y en a 29. 14%, ça va. Ah ouais, Black Butler quand même, hein. 29 fillers. Hein. Mais je pense qu'il considère comme filler quelque chose qui n'est pas de l'histoire principale. Je dis ça parce que là, j'ai en train de voir Full Metal. Mais tu vois, genre Full Metal Alchimiste, c'est un animé qui a pris l'initiative de différer du manga. Donc je pense que pour eux, leur filler, c'est juste l'histoire différente. C'est pas l'histoire principale du manga. Je pense que c'est ça pour eux. Et c'est ce qui fait que Full Metal a 33 fillers. Ah ouais. Mais bon, c'est pas des fillers à proprement parler, tu vois. Inuyasha. Tu vois, genre typiquement, moi ça c'est le genre d'animé où j'aurais du mal à regarder ça en big 2022. Pour la simple et bonne raison que déjà, la qualité vidéo. Moi j'ai trop du mal avec les trucs qui ont mal vieilli. J'ai trop du mal. Parce que je sais qu'en termes d'audio, le cinéma ça a toujours été à peu près propre. Bon évidemment, plus les années ont passé et plus la qualité sonore c'était stylé. Mais genre quand on a commencé à arriver dans les années 2000, 2005, 2010, tout ce qui est sorti en termes d'audio c'était propre, tu vois. Moi ça me dérange pas. Mais du coup je suis plus spécifique en termes de cinématographie sur la vidéo. Et dès que c'est un petit peu vieux, j'ai du mal à être de
dedans. C'est pareil, genre un film d'horreur vieux, je vais pas être dedans du tout. Un film vieux, genre je vais pas être dedans du tout. Je vais avoir du mal, genre par exemple, il y a pas si longtemps que ça, j'avais regardé un bout de Scarface et j'avais du mal à crédibiliser le truc, tu vois. Et là du coup, je dis ça tout simplement parce que Inuyasha c'est vieux et j'aurais du mal à me plonger dedans. Surtout que frère, il y a quasiment 200 épisodes. Et en plus de ça, moi ce qui me dérange avec les animés vieux aussi, c'est qu'ils ont employé des techniques de scénario, d'animation, etc. qui étaient à une époque où c'était peut-être encore jamais vu, tu vois. Alors que là maintenant, on a déjà 10 000 autres versions de ce genre de manga amélioré, tu vois ce que je veux dire? Dragon Ball Z, 291 épisodes, 39 fillers, ça va aussi. Ça va. Senseiya, par contre, ça commence à faire beaucoup là. Hein. 114 épisodes, 40 fillers, ça commence à faire beaucoup. Hein. On peut en parler quand même. Kenshin. Ah ouais, Kenshin, 40 fillers aussi. Il y a 100 épisodes, 40 fillers. L'épisode où Goku passe le permis avec Piccolo. C'est pas un épisode, même ils arrivent pas à rentrer dans la voiture. Attends, ça me dit un truc. Non, c'est pas ça. Je crois que je l'ai vu cet épisode. Mais les fillers, ce sera de plus en plus rare, heureusement, maintenant, avec le fait que les animés fonctionnent par saison. Bah tant mieux. Après, le problème, c'est qu'on a plus de fillers, mais on a un autre problème. Les studios d'animation vont tendre à vouloir sortir de plus en plus vite des saisons d'animés qui ont bien marché. Ah, parce que l'oseille, frère. L'oseille, la pression des éditeurs, la pression des producteurs. Bah, après, c'est vrai qu'on va tendre à avoir moins d'épisodes fillers, moins d'épisodes de remplissage et tout. Il y a de moins en moins d'animés fleuves. Enfin, c'est ça, hein, je dis pas de conneries. C'est ça la définition d'animé fleuve. C'est que ça dure toute l'année, mais du coup, il y a des fillers, quoi. Fairy Tail. Eh, hey, Fairy Tail, ça va, hein. 328 épisodes, 63 fillers, ça passe, hein. J'avoue, j'aurais pas la patience de regarder 63 fillers. Après, ça dépend aussi, parce qu'il y a des fillers, ils sont bien, hein. On parle de fillers comme si c'était un truc négatif et tout. Et d'ailleurs, j'ai peut-être des commentaires déjà qui me disent eh, hey, mais vous dites les fillers, mais c'est bien, et certains fillers sont bien. Oui, il y a certains fillers qui sont bien, mais il faut pas mentir, 80% des fillers sont à chier. Il y a plus de 3000 langages dans le monde, j'ai décidé de parler fact aujourd'hui. Et pour dire la vérité, 80% des fillers sont dégueulasses, c'est à chier. Mais il y en a 20%? Oui, je suis d'accord. Mais moi personnellement, je vous cache pas que quand je vois qu'il y a 110 fillers, j'ai la flemme de chercher les 20% de bien. Est-ce que je suis à blâmer? Je crois pas. Ranma 1/2. On arrive sur Naruto après. Ranma, il y a toujours pas de fin. Je crois que non, hein. Je crois que le manga est pas fini ici. Je sais plus. En fait, c'est pas forcément qu'ils sont à chier, mais leur problème c'est que comme ils ne sont pas canons, il y aura aucune évolution de personnage. Non, mais moi je t'assure que 80% des fillers sont à chier selon moi. C'est-à-dire qu'ils ne racontent rien, qu'ils sont là juste vraiment purement pour remplir et qu'il y a même pas de plus-value, quoi, tu vois. Moi, les 20% restants, ils ont forcément une plus-value. Soit c'est drôle, soit t'en apprends plus, soit vraiment c'est intéressant. Mais il y en a vraiment 20%. Sinon le reste, Naruto, 220 épisodes, 41% de fillers, frère. T'imagines si t'étais comme moi, d'ailleurs dans le chat, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient comme moi dans le chat, on peut pleurer tous ensemble. Je suis sûr, il y a des gens comme moi qui suivaient ça à la télé, tard l'époque de nos aïeux, et on était là, on s'est mangé les 90 épisodes, on a dû les regarder, hein. On a dû les regarder un par un, et pendant 90 fois on était là. L'histoire c'est quand? 90 fois! Aïe 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 aïe. Lors du 10e filler, on s'attendait même pas à en avoir 80 autres après. Yu-Gi-Oh! Ouh! 91 fillers Yu-Gi-Oh! Ah ouais. D'ailleurs, Yu-Gi-Oh! Banger, hein. Je sais pas si vous avez l'impression comme moi, mais j'ai l'impression que, genre, Yu-Gi-Oh! Tu sais, c'est un animé, un manga qui a été un peu oublié, tu sais. Mais faut pas oublier Banger, hein, Yu-Gi-Oh! Vraiment. C'est l'heure du duel! D'ailleurs, petite anecdote que j'aime bien placer à chaque fois que je parle de Yu-Gi-Oh! Il faut savoir, et je l'ai déjà dit, donc certains dans mon chat le savent, mais il faut savoir que Yu-Gi-Oh! De base n'était pas censé se baser sur un jeu de cartes. Pas que le tome en question, c'est le tome 0 ou le tome 1. Non, je crois que c'est le tome 0 de Yu-Gi-Oh! Et en fait, Yu-Gi-Oh! C'est un mélange de plein de jeux, normalement. Et en fait, c'est les éditeurs qui ont fait en sorte que ce soit sur un jeu de cartes pour qu'ils puissent le commercialiser après. Aga, on en apprend tous les jours avec Mino Streaming. One Piece, ça va, hein. 1013 épisodes, 95 fillers, ça va, 10%. Non, il y en a plus que ça. Franchement, je pense pas, hein. Même moi, en vrai, je me suis dit, Black Clover, c'est sûr, il y en a plus que 17. Mais après réflexion, je pense pas qu'il y en ait plus que 17, hein. Je pense qu'on a l'impression qu'il y en a plus parce que, bah, quand tu commences à les regarder, tu te dis, putain, c'est long, putain, ça finit quand? Mais en fait, 95, ça me semble légitime. Ouais, 95 fillers sur 23 ans, comme tu dis, ça va. Sailor Moon. Ah ouais, Sailor Moon, t'as l'époque. En plus, je connais plein de meufs. Elles ont été bercées par ça, hein, Sailor Moon. Hein. 200 épisodes, t'en as 98 fillers. Sailor Moon éclaté au sol, doucement. Parce que je t'assure que Sailor Moon, ça a inspiré plus d'un manga qui marche bien aujourd'hui. En vrai, de vrai, on sarre tout ça. Vas-y, prenez grave du recul. Imaginez, vous connaissiez pas du tout One Piece. Mais genre vraiment pas. Prenez du recul, les eurosexuels et Luffy sexuels, enlevez votre sexualité dans votre tête. Imaginez, vous connaissiez pas One Piece. Est-ce que vous seriez chaud pour maintenant vous dire que vous avez 1000 épisodes à regarder? Si on me le vend bien, oui, oui, frère. Moi, même si on le vend bien, 1000 épisodes. Tu me dis, mec, il y a 1000 épisodes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'One Piece, c'est qu'il faut absolument que t'aies déjà au moins un pied dedans. Sinon, il faut que tu montres une putain de détermination. Parce que One Piece, c'est soit t'as 1000 épisodes, soit t'as 100 tomes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment motivé, hein. Moi, j'en suis à l'épisode 800, donc il m'en reste 200. Et rien que 200 déjà, moi, personnellement, je suis flappy. Il m'en reste 200 à regarder de One Piece. Jure Bleach! 366 épisodes, 164 fillers! Ah ouais, on s'est pas rendu compte, Bleach, hein. Oh, non, Boruto, c'est très grave.
Voilà pourquoi j'ai arrêté de regarder Boruto. Épisode 2, c'est un filler. Je crois que j'abuse. Mais genre, c'est très tôt. Genre, vraiment, littéralement, je crois qu'il n'y a pas 10 épisodes qui sont passés au début avant que ce soit un filler. Il faut en parler, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Je sais pas pour vous, mais j'ai commencé à lire direct. Mais c'est dommage parce que Boruto, quand c'est vraiment dans le concret, c'est banger, tu vois. Est-ce que vous vous rendez compte, n'empêche que... S'il n'y avait pas les fillers, ils auraient pu faire un animé de saison, mais du coup ça aurait pas correspondu à Naruto ou Naruto Shippuden, tu vois. Mais s'ils avaient fait ça, c'est-à-dire que là, Boruto, il devrait y avoir normalement 57 épisodes, 2-3 saisons. Ah là là, Naruto Shippuden, c'était quelque chose aussi, hein. 4 saisons minos, ça dépend format d'épisode qu'ils feraient. Ils font des saisons de 24 épisodes, bah du coup non, il n'y a pas... de saison. Et les stats de cette vidéo là, non, je suis quasi sûr qu'en vrai c'est pas n'importe quoi. En fait, ils considèrent les fillers à partir du moment où c'est pas un épisode qui raconte l'histoire, de la vraie histoire. Et je pense sincèrement que le numéro qui a marqué là de fillers, c'est le bon numéro, je pense. Mais Naruto Shippuden, ouais, pour moi ça correspond, hein, le nombre de fillers à Naruto Shippuden. Naruto Shippuden, le boss final, bah c'est pas, la vidéo est pas finie, hein. Il y en a encore après, hein. Un peu moins, je pense. Si, je pense vraiment, il y en a autant. Bah déjà, Pokémon, logique. C'est vrai que Pokémon, le roi des fillers. Oh bah oui, j'avais oublié celui après. On avait oublié celui après, bien sûr. Plus de 1000 épisodes, Détective Conan est à 440, c'est des fillers. Après, Détective Conan, moi, ça me dérange moins. Parce que Détective Conan, les fillers, c'est quand même des trucs intéressants, tu vois. Parce que c'est toujours des affaires. En fait, à chaque truc, c'est des affaires, des affaires, des affaires, des affaires. C'est juste que ça avance pas sur l'histoire principale. C'est-à-dire l'intrigue de Shinichi Kudo et Détective Conan. Enfin, et de Conan et d'Ogawa. C'est juste que ça avance pas sur ça. Mais sinon, c'est l'essence même de Détective Conan. C'est-à-dire que c'est des enquêtes, c'est Conan qui essaye de démêler le vrai du faux. Et moi, je kiffe, donc je m'en fous. Okay, c'est un animé avec aucun support, je comprends pas pourquoi tous les épisodes sont pas fillers. Bah je pense après le support ça doit être l'auteur quand même. Mais attendez, Pokémon, j'avoue même moi je connais pas vraiment l'histoire de Pokémon. C'est quoi l'histoire de Pokémon, genre? De base c'est un jeu vidéo, de base c'est un manga, de base c'est un animé, de base c'est quoi? De base c'est un jeu. Donc ça a commencé en 1996 par les jeux. Pokémon la série a été créée au Japon à la suite de la popularité du premier jeu vidéo et fut diffusé pour la première fois sur la TV Tokyo en 1997. Donc un an plus tard. Et après il y a eu les cartes. Et après il y a eu le manga. Ah ouais. Et du coup en dernier on a Détective Conan 440 épisodes. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bah voilà les frérots. Maintenant vous savez quel animé il faut au mieux éviter si vous voulez tout voir d'une traite. Il va peut-être falloir acheter le manga, hein. C'est peut-être justement le moment de ça y est, il faut acheter le manga, il faut se mettre à la page. Mais au moins vous savez ce qu'il faut arrêter de regarder. N'hésitez pas du coup à revenir du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur twitch.tv/minostreaming. C'était Mino et le chat. Salut.